Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode... Ah non, c'était tendu ça. On se retrouve pour l'épisode 26 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Plongez-vous dans le noir, un petit casque et des écouteurs, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Tu posséderas bientôt l'ensemble complet. Ça y est, j'ai dit oui, messieurs. Alors, on a des trucs un petit peu partout. On reprend... Il y a certainement des séismes plus loin. Nous devrons trouver un autre chemin. D'accord. Oh, Sugoi. Il y a un monde où ça passe en travers. Il y a... Sugoi. Et là, ça ne marche pas, évidemment. Les supports du pont ont l'air plus solides. Il nous faut trouver un moyen de traverser pour l'abaisser. Ouais, ça, j'ai bien compris, Bibiche. Et ça, on verra un petit peu plus tard. Très bien. Eh, c'est pas dégueu. On va retourner voir le vendeur. Ça peut permettre des petits trucs très sympas. Et surtout, il faut s'acheter de quoi se réa, parce qu'en ce moment, je me fais quand même pas mal casser la gueule. Alors, armure. C'était quoi? C'était les protections d'avant-bras. Voilà. Ok, fabricable. Let's go. Donc ça, je dis ton corps, je le mets. En un seul morceau. Et protection torse. Je ne peux pas encore le mettre. C'est la protection de taille, pardon. Let's go. Ça par contre, je le mets. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Ok. Et protection de torse, on n'y est pas encore. Mais ça va arriver, chaque chose en son temps. Oh, j'ai oublié d'acheter, excusez-moi. Objets spéciaux. Ressources. Évidemment qu'on va se faire ça. Par contre, 3000 par 3000, j'avoue que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à piquer. Qu'est-ce qu'on peut vendre, cimier? Des artefacts pour les échanger contre de l'argent. Ok, donc ça c'est fait exprès. Des cimiers de famille? J'en veux bien. Très bien. Quelqu'un doit les conserver. Même équipement. Si ce n'est pas les vannes. On va vendre ce que je n'ai plus besoin en vrai. Gantelet radieux, pour le coup. Allez, envoie-moi ça. Ouais, ouais, je prends. Ok. Ça fera un joli fourbi. Et ça, on verra. Ouais, j'ai vendu tout ce qui était radio, mais c'est pas grave. Pas. Alors, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que regardez. Est-ce qu'il y a un monde où. Non. Il n'y a encore pas de monde où c'est faisable. Bon, écoutez, on retourne sur notre petite île et puis on est reparti. Pour la suite de notre quête, là il y avait le F, le P et le R. C'est bon, on a le drapeau déjà. Ça c'est très très bien. Allez, on retourne sur notre petite île juste en face. Il reste des trucs normalement à explorer, si je ne m'abuse. Bon, il y a une lettre de fête, ok. J'arrive pas pour l'instant à trouver les autres. Ils doivent être bien cachés. Très bien, je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est? Ok. Je me pose la même question. On pouvait aller là-haut maintenant, c'est vrai. J'avais totalement oublié que j'avais déverrouillé ce chemin-là. Beaucoup de questions encore, mais on va y arriver. Quel effet cela fait-il d'être de retour? Je n'ai pas l'impression d'être de retour. Tout a changé. Je suis comme une étrangère. Je sais ce que ça fait. Ok, oh, let's go. Ça va donc sûrement ouvrir une porte. Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois? Megan. Vache. Personne ne s'attendait à ça.
Le lieu du mariage devrait être accessible. Ah ouais, le lieu du mariage. Donc c'est là où elle s'est mariée, vous l'aurez compris. Néanmoins, le doute m'habite. Je ne pense pas que les... De quoi résoudre le coffre ? Oh, salopard. F. Ah, c'est un F un peu plus en diagonale. Vous avez vu un petit peu comment c'était bien caché ? Je vous en prie, mettez fin à leur souffrance. À la souffrance de qui, toi, déjà, tu veux ? Attends, rappelle-moi, c'est quoi ton problème ? Je sais plus c'est quoi son problème. On verra un petit peu plus tard. Oh la vache. Le R et le F un petit peu plus en diagonale. Très bien. Tellement bien caché. Tellement bien caché. Ok. Oh. Et là, non. Ok. Superbe. Plus que le R. Le R qui est forcément dans la zone. C'est une obligation. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Il y a autre chose qu'un coffre, hein. Ok. Ok, ça, je l'avais pas vu. Yes. Salopard. Waouh, 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 waouh. Ok. On y arrive, les amis. On trouve enfin le bout. On trouve enfin le bout pour un seul coffre, mais ça vaut le coup quand même. Ok. Salopard. Bien joué. Oh les salauds, putain, jusqu'au bout, hein. Ils vont me faire chier. Voilà. Et ben voilà, une belle récompense. Normalement, ça augmente encore la rage, je crois, là, non? On y est, ça y est. Bah oui, voilà, on a collecté assez de cornes. Très bien, j'en voulais pas plus. Ouh, j'en voulais ni plus ni moins. Ok, dans écoutez. Ce royaume, je le rentrerai aussi. Tais-toi, je t'en supplie, toi. Je ne sais pas qui tu es. Ça, je prends. Écoutez, on peut se tirer. On peut faire une Maître Gims. Et là, direction peut-être le mariage, je ne sais pas. Ça, c'est ça qu'il faut que je casse, là. Alors, comment pour l'instant? Aucune fucking ID. Ok, pour l'instant, aucune idée. On verra plus tard. Sûrement de quoi s'arrêter ailleurs. Plus nous approchons, plus je sens ma poitrine se nouer. Tu es sûr de vouloir continuer? Affronter le passé a toujours un prix. Il faut que je le fasse. J'ai enduré cette peine trop longtemps. Cela peut surprendre. Mais nous avons été heureux. L'espace d'un instant, j'ai cru naïvement que la paix durerait. C'est peut-être là mon erreur. Tout ce que je voulais, c'était protéger les miens. Il n'y a pas de honte à cela. Non, mais j'ai échoué. Oh là, c'est trop, les gars. Oh, c'est trop, c'est trop. Il y a trop de choses, il y a trop de choses, les amis. Qu'est-ce que c'est? Fireball! Ok. Intéressant. Ah. Oh la vache! C'est une explosion nucléaire là que j'ai envoyée ou quoi? Effectivement. Oh,
1, 2 et 3. Très bien. Ça, c'est la merde. Voilà, voilà. Je ne sais que vous dire de plus. Ah ! Qu'est-ce donc ? L'orgue de Munda. Eh ben, voilà. Attention, nous ne connaissons pas ses pouvoirs. Crois-tu vraiment qu'elle nous aurait envoyé le chercher s'il pouvait nous tuer ? Contentons-nous de le lui rapporter. Ok. On fait quoi? On lui apporte vite fait. Petit aller-retour, les amis. Ça mange pas de pain. Allez, petit aller-retour. On va voir. Quoi qu'il arrive, c'est une fin de quête, ça reste cool. C'est Marc. Elles indiquent la présence de séismes. On était passé par ici. Oh là là, faudra pas que j'oublie hein, tous les chemins qu'on a fait. Pareil que tous les chemins mènent à Rome. Mais là, là c'était notre arc-en-ciel. Mimir, tu peux reprendre l'histoire de Freyr. Oh, oui. Eh bien, confrontés à la subtilité de la magie agricole que Freyr avait offert de leur enseigner, les As étaient de plus en plus impatients. Quand les choses ont mal tourné, ils s'en sont pris à leur maître. Ça attendra. Restez sur vos gardes. Allez, let's go. Super. T'as quelque chose pour moi. À vous. Tiens. Oh, eh bien, merci beaucoup. Elka m'a réclamé cette fichue balle tout l'hiver. C'est son jouet préféré. Quoi ? Ah ! Ta grande prudence nous aura sauvé la mise. Prudence. Il a raison, Mimir. Un peu de respect. Ce petit jouet qui couine aurait pu causer notre perte. Et c'est pas passé loin. Arrête de rire. Ce n'est pas facile, mon frère. Essaie. D'accord. J'adore. Excusez-moi, mais j'adore. Allez, c'est parti. Direction le mariage. On a fini une quête. Je suis déjà très content. La première quête. On fait le mariage. On fait la dernière quête, la libération. Libération! Et puis on est parti. Alors Freyr était un hôte quand Odin l'a brûlé. Pas exactement. Cela ne gênait pas Odin d'enfermer Freyr. Il mesurait le potentiel de sa magie et voulait trouver un moyen d'augmenter les récoltes. Et nous en resterons là pour le moment. Ok. Maintenant c'est toi qui décides quand tu mets fin à une conversation. Très bien. Alors là, je suis quasi sûr. Je crois avoir compris. Les gars, je crois avoir compris pour ici, d'accord? Je crois avoir compris. Mais on va faire cette quête avant. Les amis de Gunhild ne doivent plus être loin. Ok. Mes flèches sigillaires n'auront aucun effet. Regarde ce qu'ils ont fait de cet endroit. Dommage. L'idée était bonne. Certains diront que ça relève du génie. Ok, allez. On prend ce petit coffre des familles. Superbe ça. Encore une pièce d'armure à faire réparer par Lunda. C'est le dernier. Je vais pas y retourner H24. Superbe. Là y'a rien là, il m'a rien donné. Ok, on se casse. Vas-y ma Freya, fonce. Ok, full découverte. On a une nouvelle pièce d'armure à faire. Et ben en vrai je suis plutôt satisfait. Je ne sais pas vous. Y'a moyen qu'on change totalement de look tout à l'heure. Ok, lis-moi ça. Tu as bien fait d'étudier les runes. Ok. Ça, c'est très bien.
Ok, pas encore compris tout l'intérêt de ce que je suis en train de faire. Mais là, je vous jure qu'on va taper le sujet. Ce sont les esprits séistres égarés. Les amis de Gunhild. Ils n'ont plus l'air si amicaux à présent, n'est-ce pas? Offrons-leur la mort. Ça va exploser! Attention! Ok. Dégage! Dégage, dégage, cousine! Tu rends fou? Attends, déjà on va prendre ce coffre là, qui me faisait de l'œil depuis tout à l'heure. Ok. Superbe. Vous inquiétez pas, j'oublie rien de ce qu'on a laissé derrière. Ne restons pas ici. Je suis un monstre. Superbe. Chier, elle va me faire chier là, cette plante. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bizarre. Ok, on trace. Hop, ça. Hop, on va faire un petit peu de vie. Ok. Eh bien, je crois qu'il n'en reste pas d'autres. Je n'y crois pas. Je connaissais ces esprits. Je ne les aurais jamais crus assez fous pour s'essayer à la magie séistre. Ils étaient perdus. Incroyable. Et maintenant, ils sont morts. Ils sont responsables. Et cela n'apaisera pas ta douleur. Retournons voir Gunhild, si tu as épuisé toute ta descendance. C'est pas vrai. Ennemi à terre. Trop fort vous tous, hein. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais ces séismes sont enfin en paix. Cela nous éclaire-t-il? Ok. Eh ben... Il s'en passe des choses, je vous le dis, mes aïeux, hein. Trouvons un passage à travers ces débris. J'ai peut-être une idée, en vrai. Mon idée est mauvaise, mais il y a forcément un bail ici, je pense. On essaye. Non. L'idée est très mauvaise. Par contre, est-ce qu'il y a un monde où... Ah, mais putain, j'étais... Ah si, si, on les voit toujours. What the fuck? Ça veut pas, hein.
Quand ça veut pas, les amis, ça veut pas. Hein. Ok, il me reste des trucs à faire en arrière. Par contre, on peut aller parler à l'esprit. Donc, ça fait. Putain, ça fait beaucoup. J'en perds le fil là. Je vous ai dit que j'oublierai pas, mais je suis en train d'oublier MDR. Alors, déjà, ça on prend. Ok. Attends, on dirait qu'elle vient vraiment de là-haut, c'est impressionnant. Alors. Ça, j'avais pas vu. Et ça. Ok. Ah, c'était juste pour ça. Et il y a l'autre énigme à faire là-bas. Mais il n'y a plus le bateau. MDR, si, c'est bon. Très bien. Malgré ce qu'il a fait à Midgard, Atreus tient toujours à toi. Je sais. Moi aussi, j'ai élevé un fils. C'est peut-être difficile à croire, mais il ressemblait à Atreus au même âge. Il adorait son père. Il cherchait toujours à s'en montrer digne. Et il était constamment frustré de voir que, quoi qu'il fasse, il n'obtenait pas son approbation. Il s'est trouvé le réconfort que son père lui refusait. Peut-être que ton fils devrait en faire autant. Il s'est rapproché de l'autre nain, le frère du nabo bleu. Oh, mais si Sindri s'occupe de lui, alors je n'ai plus rien à faire dans sa vie, je suppose. Ce n'était pas mon propos. C'était ça, c'était. Ok. Waouh, ça va être dur. Ça va être très très dur. Mais pas si dur pour quelqu'un comme moi, mon pote. Let's go. Allez, une sur quatre. Putain, ça va être long, là. C'est un... Là, je pense qu'on est sur la dernière... La dernière, entre guillemets, ligne droite. Ben voilà. On est trop chaud. Allez, on va faire un petit tour du côté de l'esprit. On va acheter le reste de l'armure. Que voulais-tu dire en affirmant que Freyr n'était pas exactement l'hôte des As? Je voulais dire que lorsqu'ils l'ont brûlé, il était déjà prisonnier depuis quelque temps. Garde ça pour plus tard. Ce que j'aime bien, c'est que c'est Kratos qui pose la question, après fait « ferme ta gueule. Ferme ta gueule et garde ça pour plus tard. » Ok, là, y'a rien. Là, en vrai, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. On se casse. Ok. On est pas mal. Let's go. Alors, comment on va faire pour ouvrir ce putain de coffre? Ça, vraiment, j'ai toujours ce doute qui m'habite. Déjà, on va retourner voir l'esprit. Ça peut être pas mal. C'était juste ici, me semble-t-il. Allez, c'est Bibiche. Terminé. C'est terminé. Tes amis sont en paix. Bien. Et je suis désolée. Si j'avais été là, j'aurais pu empêcher tout cela. Nous prendriez-vous pour des nouveaux-nés incapables d'agir par nous-mêmes? Non, mais... Nous avons commis une erreur, mais nous devions la faire. Vous n'aviez pas à nous en empêcher, même si vous aviez été parmi nous. Je... D'accord, tu as raison. Adieu, Gunhild. Adieu, ma déesse. Et ben voilà. Kratos, merci d'avoir pris le temps de venir en aide à mon peuple. Je n'ai aidé personne. Ils étaient déjà morts. Condition d'atout, d'accord.
Il en faut un troisième. Oh, détrompe-toi. Tu as permis à ces esprits de trouver le repos, et à moi aussi par la même occasion. J'en suis soulagée. Profites-en, ça ne durera pas. Tu as raison. Il y a sûrement d'autres sœurs corrompues dans les 9 royaumes. Ah, on peut toujours compter sur toi pour conclure sur une note positive, mon frère. Allez, c'est parti. On va aller récupérer ce qu'on a récupéré. Toujours plus long. C'est-à-dire notre armure. Alors, j'ai l'impression qu'on se voit un peu beaucoup. Je vais te la ranger vite fait. Fabricable. Ça y est, les amis. Ça y est, les amis. La vache, je suis beau ou pas? Ok. Eh bien, voilà. On est super bien. Un truc à dire avant de décamper? Nouvelle tenue du bonheur. Alors, par contre, ça... Oh là 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 là. Comment on va faire? Ça, vraiment, je vais pas... Ça, je crois que ça ne marche pas, malgré tout ce que j'essaye. Ce coffre est un mystère pour l'instant, mais on va pas insister dessus. J'aimerais qu'on finisse sur une autre note, parce qu'on a encore pas mal de petits lieux à visiter, mais mine de rien. Je ne t'ai jamais demandé quel effet ça faisait de perdre sa tête. Que veux-tu que je te dise? Que ça picote? Simple curiosité. Si tu souhaites tirer une quelconque satisfaction de ma souffrance, je crains que tu ne sois déçu. Kratos a frappé fort et juste, pas vrai, mon frère? Je n'ai presque rien senti. Dommage. Ok. Bon, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer à gauche. On s'en sort très très bien, le chat. Je suis très satisfait de tout ce qui se passe. Let's go ici, maintenant. Nouvelle zone, pour nouveau plaisir. Oh, bien joué à toi. Ok. 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 Allez, tout bouclier dans les chicos. Allez, viage. Ben voilà. Plus de peur que de mal. Ok. Je sais pas, elle a mis un stop. Elle a regardé d'un coup en l'air. Très bizarre. Ok. En fait, qu'est-ce qu'on vient branler là, les gars? Il y a Anguille sous roche? Non, c'est bon. Mais je me disais, c'était très bizarre quand même. Tu vas pas nous. Sais-tu pourquoi je suis partie cette nuit-là? J'ai ma petite idée. Il m'a montré son vrai visage. Odin m'a demandé de lui jeter un sort de protection. Le même que j'avais utilisé sur mon fils. Comme ça l'avait rendu fou, j'ai refusé. Odin a été furieux. Il a jeté à travers la pièce et détruit tout ce qui lui tombait sous la main. Après cela, il est devenu froid et distant. J'ai tout fait pour que cela fonctionne, mais... Personne n'aurait pu vivre ainsi, Majesté. Ok, les enseignements. Là, on apprend beaucoup de choses, là, c'est incroyable, un grand bronze, hein, frérot. Ok. J'ai eu trop peur. Allez, dégage. Superbe. Encore un coffre. Acier nain, tout ce que j'aime. Ok. Let's go, on va passer là-haut parce que je sais pas du tout ce qu'il y a. Et on va pouvoir mettre fin à cet épisode. Incroyable.
incroyable. Quel jeu. On fait que des quêtes secondaires depuis 2 épisodes et demi. Et pourtant, le plaisir, il est toujours là, quoi. C'est fou. Il y a toujours ce truc de satisfaction. Regardez la nouvelle armure. J'adore. I like it. Ok. Ah, ça va être chiant, ça, par contre. Regarde, là-bas. Ok. Je suis un monstre. Superbe. Si tu me permets. Vas-y, fais-toi plaisir, cousine. Non. Je m'en régalais. Ah! Je n'aurais jamais cru revenir ici. Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. D'accord. Ok, bon, regardez ce qu'on va faire. Ça. Ça. C'est embêtant. Bon, les gars, on prend pour un connard ou c'est comment? On prend vraiment pour un connard, je crois. Hein. Alors, attendez. Parce que là, c'est très très chiant ce qui se passe. 1. D'accord. Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Deux. Trois. Je ne comprends pas, je suis teubé, frère. Je vais t'en mettre des flèches sigillaires avant la gueule. Non. Ok. Parfait. Il me manque celui-ci qui est très chiant. Pourquoi ça fait un triple comme ça, c'est très bizarre. Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Eh, c'est étrange, hein, les gars. Hein. C'est très étrange. Ok. Je l'ai bientôt. Très bien. Non, mais c'est pas vrai.
Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Donc voilà. Fouh ! Bon, c'était pas évident, mais l'important c'est qu'on ait réussi. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Une corne sur quatre, ça va encore swinguer. C'est moi qui vous le dis. Bisous tout le monde. On se retrouvera pour la quête du mariage, évidemment, qui est juste ici, si tout va bien. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye.